Aujourd'hui, on vous explique la castration du maïs en 2 minutes. C'est quoi ? La castration du maïs semence consiste à contrôler la pollinisation des pieds de maïs à vocation de production de semences. Le principe : le maïs comporte sur le même pied des fleurs femelles et des fleurs mâles séparées. Pour obtenir des maïs hybrides, on va castrer la fleur mâle sur 3 rangées de maïs et ainsi obtenir des pieds uniquement femelles et laisser un rang de mâle pollinisateur. L'opération de castration se fait en 2 étapes. Une première étape mécanique à l'aide d'une castreuse pneumatique, puis une castreuse à disque. Dans un second temps, c'est manuellement que les dernières fleurs sont ôtées du pied. Les objectifs. C'est d'obtenir des groupes de maïs hybrides avec des caractéristiques génétiques voulues par les obtenteurs de semences. Ces grains serviront à produire la semence de maïs consommation semée l'année suivante. Les résultats. Un maïs hybride sélectionné permet de réduire l'apport de produits phytosanitaires et d'engrais, mais surtout d'améliorer la qualité pour la consommation humaine. D'un point de vue économique, c'est une culture rentable mais techniquement plus compliquée à mettre en œuvre qu'une culture traditionnelle de maïs. Les chiffres ? En Côte d'Or, de 2016 à 2018, le travail de castration des maïs est passé de 250 à 300 hectares, de 150 à 200 saisonniers employés et regroupe 19 producteurs. Les saisonniers sont généralement des jeunes, entre 16 et 18 ans, exerçant de fin juin à début août. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et d'aller faire un tour dans l'espace commentaires.